Bonjour à tous, c'est Céline Scrap, plutôt bonsoir. On est mardi 18 février, donc c'est ma semaine sans mon fils, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc hier soir, j'ai pas pu vous faire la vidéo parce que j'ai pas eu le temps. Donc je la fais ce soir. Donc je tenais à vous montrer mes achats de la semaine, enfin de lundi, plutôt que ce jeudi de la semaine. Ça va pas ce soir. J'ai besoin de sommeil, je suis fatiguée. Les vacances vont faire du bien. Dans 15 jours, j'ai une semaine de congé. Je vous dis pas, je vais vraiment l'apprécier. Je vais la déguster. Pardon. Donc, je vous montrer mes achats que j'ai effectués chez Noz et chez Action. Hier, donc on était le 17 février à Saint-Gaudens, comme d'habitude. Vous commencez à connaître un petit peu mes habitudes d'achat, on va dire. Voilà. Quoi d'autre? Ben je crois que c'est tout. Voilà. La semaine dernière, j'ai pas fait grand-chose puisque bon, on avait eu déjà l'arrivage Artemio samedi. Je vous avais fait la vidéo. Donc voilà. J'ai pas grand-chose. Donc à Noz, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté du scrap et du non-scrap. Donc je vais vous montrer dans l'ordre de la poche. Dans le non-scrap. Alors, qui va être du scrap, puisqu'en fait ça va être pour ranger mes photos. J'ai besoin d'une boîte parce que je développe pas mal les photos. Je voulais une boîte pour me les ranger. J'ai trouvé cette petite boîte qui est à 2,20 €. Voilà, où il y a marqué règle d'or numéro 3. Les petits moments de vie font les meilleurs souvenirs. Je trouvais que c'était idéal pour une boîte. Donc, elle est noire. Il y a de quoi je rentrer une petite étiquette, mais bon, j'en aurais pas besoin puisque je rentrerai toutes mes photos 2 €. Une autre boîte, mais bon, pas pour le scrap, mais pour ranger d'autres choses. Voilà, j'en avais une rouge, elle est au sous-sol, mon ex l'a fait volatiliser. Il y a beaucoup de choses, je crois, qui ont disparu chez mon ex-beau-frère qui était à moi, une table basse. Enfin, bon, je vais vous dire. Je referai ma fille autrement. Donc voilà, c'est une petite boîte voilà, qui s'ouvre comme ceci. Pour y mettre du chocolat ou des sucrètes, c'est génial. Et ça, c'était 2,20 €. Il y a marqué la gourmandise. Alors, voyons. Ensuite, pour du scrap. Alors, après, j'ai acheté du gel douche, plein de choses. Bon, je ne vous le montre pas. Des préparations pour voilà, des gourmandises, ça j'adore. C'est des dattes fourrées avec de la pâte d'amande. Je suis complètement dingue de ça. Voilà, c'était quand même 1,99 €. Pour le scrap, alors, dans le bac à 50%, pardon, excusez-moi, n'hésitez pas à y aller. J'ai trouvé, mais je l'avais déjà, Beyond the Shore. Donc ce bloc, vous voyez, il a été un peu maltraité, on dira. Voilà. Bon, il manquait pas de feuilles, c'était déjà pas mal. Voilà. Quelques feuilles étaient cornées. Donc il est à la base à 5,99 € et là il est passé à 3 €. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que je l'avais déjà, mais des fois je me suis dit pour... Il y a certaines feuilles qui sont un peu passe-partout, qui font galaxie, vous voyez, comme la première. Qui rentre très bien avec un bloc de chez Action qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Voilà. Après, pour 1,50 €, vous aviez ces blocs. Design bloc. Alors, le papier est très particulier. C'est du 30,5 par 30,5. Papier particulier parce qu'il est glacé. Voilà. Recto verso et glacé. Donc, assez enfantin. Je vais essayer de vous le montrer bien. Voilà. Et donc, vous voyez, les papiers sont glacés. Alors, presque, vous voyez, vous pouvez utiliser le papier comme celui-là, tel quel. Pour faire, vous savez, un cadre. Donc, ça, c'était 1,50 €. Donc, j'en ai pris deux. Et l'autre modèle, c'était celui-ci. Toujours le même. Donc, à la base, il valait 3,50 €. Je pense comprendre ça. 3 €, 3,50 €. Enfin bon. Et là, c'était 1,50 €, vous voyez. Et toujours des feuilles glacées.
Mais celui-ci était vraiment beau. Il y a vraiment des choses. Ce papier très aztèque était vraiment magnifique. Enjoy Little Things. Ça, j'ai trouvé même mettre tel quel sur un mur. Des lamas. Je l'ai trouvé très très beau. Vous voyez cet imprimé. Même pour en faire un fond, il est magnifique. Voilà, celui-là, du coup, aussi, j'en ai pris deux. Voilà. Donc, pour Noz, c'est tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai trouvé. Vous me connaissez, je peux avoir vite la vieille acheteuse. Chez cette semaine en promotion, donc ça va être fini quand vous aurez la vidéo, puisque ça sera mercredi, j'avais pris ces lingettes à 79 centimes. Voilà. Alors, j'en ai pris trois paquets. Trois paquets, j'en ai pris. Je m'en sers énormément. Alors, celle-là, c'est pas pour les tampons. Pour les tampons, je vous l'avais montré, j'avais pris la boîte qui se referme de quelques pas par là. Je sais pas, il y a tellement de soucis que je sais même pas où c'est rangé. On me disait de louer un box pour ranger tout, un garage. Je vais avoir squatté le garage de mes parents. Mes parents sont ravis. Ils ont encore des affaires de mon frère qui a déménagé depuis X temps. Mais mon frère n'a pas tout récupéré. Donc voilà, ils ont vidé un bordel pour remettre le mien. Mais bon, moi, mes affaires, ça c'est clair et net qu'elles repartiront avec moi dans ma nouvelle maison. J'attends pour le terrain, normalement. Ça devrait être bon. J'espère. J'ose pas dire oui, parce que j'ai chaud des crins, l'eau froide. Mais normalement, je devrais être bientôt propriétaire d'un terrain. On verra. On verra. Tant que j'ai pas signé chez le notaire et que les 2 mois sont passés, je suis pas là. Donc je disais, j'ai pris ces lingettes grises. Ces lingettes, en fait, je les adore. Je me les mets dans le fourgon avec moi pour me laver les mains quand vous faites pipi. Ouais. Pipi ou autre chose. Je les ai toujours. Vous savez que j'ai des tremblements, donc. Ça me permet de m'en servir pour être toujours propre. Voilà, donner un petit coup des fois, même sur les mains, même les chaussures, des fois, j'ai eu nettoyé. Bon, voilà. Aparté, voilà. Ensuite, j'ai trouvé Action. Le fameux nouveau. Allez, ça ne va pas venir. Le massicot de chez Action à 2,99 €. J'ai mon ticket cette fois-ci. Alors, 2,99 €. Ils appellent ça rogneuse avec lame. 2,99 €. Donc, vous avez une lame, la lame rose pour la lame noire pour plier et la lame rose pour découper. Alors, j'ai vu pas mal d'avis. Il est très très bien, paraît-il. Bon, après, je l'essaierai et on verra bien. Sachant que j'ai le We Are Memory Keeper. Vous l'avez là, donc je vais le montrer dessus. Qui est vraiment très très bien, mais il va falloir que je me commande les lames de rechange. Voilà, vous savez, les plioirs et. Celui-là, j'avais pas payé 3 euros. Hein. Même les lames, elles ne valent pas 3 euros. Hein. J'ai regardé sur Craftelier, valent une fortune. Donc, du coup, ben, j'en ai pris deux. Parce que ben, mon coup de gueule, c'est franchement que Noz pourrait faire l'effort de. Noz, Action pourrait faire l'effort de vendre les lames. Parce que du coup, ben, moi, je pense que je ne suis pas la seule. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous en achetez un deuxième pour avoir des lames de rechange. Je suis désolée, pour avoir des lames de rechange, 2,99 €, ben vous rachetez un massicot. Donc du coup, il y en avait deux en rayon, je les ai pris parce que ben, je voulais avoir un massicot de rechange, des lames de rechange. J'ai pris ensuite celui-ci, alors je ne sais plus si je l'avais ou pas, il m'a fait de l'œil dans le rayon, 1,99 € Happy. Je crois que je l'avais déjà pris, mais bon, il me servira. Repartir en impact. Puis voilà. Ensuite, j'ai pris des autocollants. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Sur le thème automnal, avec pour mon album d'automne,
qui sera fait un jour. Vraiment que je m'y mette. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est sur le thème pas terrible. Il y a des choses qui m'ont énormément plu. Alors, le zèbre zéro. Moi, j'ai aimé le bonjour. Les petits parapluies. Derrière, il y a les petites plumes et le panneau Wonder Best, Wonder Lust. Bon, Get the Adventure Beginning. Voilà. Live, Low and Love. Et celui-ci dans des couleurs un peu plus pastel, tendre, avec les petits animaux qui mangent du chewing-gum. Il était très, très mignon. Voilà. Alors, ça, 99 centimes. Et c'est pas souvent que j'ai mon ticket de caisse avec moi. Ensuite, j'ai pris les livres créatifs. Ils appellent ça livres créatifs. À 99 centimes. Alors, dedans, c'est à coloriser. Vous avez... Bon, vous les avez vus 50 fois. Où il y a même... En fait, c'est les feuilles de vélum que j'ai trouvées trop belles. Et après, donc, dedans, vous avez des tags, des cartes postales, des stickers, des paper tape, du vélum sheet et des coloring sheets. Qu'est-ce qu'ils entendent ? 24 pages à colorer. Voilà, au moins on est réglé. 24 pages à colorer. Donc, il y avait les 4. Moi, bon, j'ai essayé de me raisonner. Je me suis dit, t'en prends qu'un des deux. Puis finalement, à chaque fois, c'était, ah, oh, mais ça, c'est trop joli. Ah, oh, mais ça, c'est trop joli. Donc, du coup, ben, je me suis ressortie avec les 4. J'ai pris du ruban de packaging avec du papier. Alors, j'ai vu plusieurs sur des forums de discussion. Les filles s'en servent comme craft gourmet. Voilà. Le craft gourmet, j'en ai jamais acheté. En fait, c'est du craft que vous passez à l'eau pour avoir un effet gommé. Donc, j'avais vu qu'il y avait ceci. Alors, ça, c'est autocollant. Mais c'est manière craft. Alors, ça, je sais que c'était, il me semble, 1,99€. Voyons, E-Kiss. Livre créatif, nettoyant plaque. 1,98€. 99. Donc, j'en ai pris deux. Donc, ça, c'est au rayon du bricolage. Et par contre, hein, donc, le cherchez pas au loisir créatif, c'est au rayon du bricolage. Ensuite, je me suis repris des pochettes comme ça. Voilà, parce que ben, j'ai consommé tout mon stock. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'en fais. Voilà. Donc, quand on achète des collections à Noz, même à Action, ben, je mets tout dans une pochette. Pour quand vous voulez vous en servir, ben, j'ai tout sous la main. Donc là, vous voyez, c'était la collection Falkland. Donc, il y a le papier. Voilà, c'était du 20-20. C'est pour ça que ça rentrait. Avec tout ce que j'ai pris de la collection Falkland. Donc, quand j'attrape, eh bien, j'ai tout dans la même poche. Je l'avais déjà présenté plusieurs fois. Ensuite, j'ai trouvé les petits décorations, les ornements métalliques. Alors, vous aviez les feuilles. Voilà. Comme ça, vous ne verrez pas. J'aimais beaucoup celle-là. Alors, ça, c'était 99 centimes. Figurine métal oubli. Vous avez gagné. Ensuite, ça, j'ai trouvé très joli pour mettre sur une couverture d'album. Franchement, c'est magnifique. À chaque fois, il y en avait toujours un ou deux qui me plaisaient. Là, c'était celui-là. Voilà. Même en mettant des petits strass ou des choses comme ça à l'intérieur, c'est très joli. Et le dernier, alors, il y avait aussi les fleurs. Mais les fleurs, on les avait déjà eues. Donc, j'ai dit ça, je ne le reprends pas. Parce que je ne m'en suis pas servie. Donc, voilà. Et pour finir... J'ai pris de la dentelle autocollante. Alors ça, on en a déjà eu, j'en ai déjà pas mal. Mais j'ai trouvé très bien la présentation, vous voyez. Elle se présente, donc vous en avez deux fois un mètre. Et donc, c'est de la dentelle autocollante. J'ai trouvé très pratique, elle est sur une bobine en plastique. Voilà. Donc, c'est vrai que pour la re-ranger, c'est très pratique. Donc, j'ai pris celle-là dans les couleurs beige. Celle-ci qui est un gris plus un blanc avec un liseré vert. Pour finir, celle-là qui était toute fine, qui était très jolie, blanche et beige. Donc, voilà pour le scrap.
Oui, parce qu'il reste encore des lingettes, mais je n'ai pas. Donc voilà tout ce que je vous ai présenté pour le scrap. Je vais essayer de mettre la vidéo cette nuit parce que demain, je ne pourrai pas la mettre en ligne. Mon forfait internet sur mon téléphone portable est HS. Alors, mes appels WhatsApp et compagnie à mon fils ont fait que ben, j'ai pris cher. C'est comme ça. On attendra le 1er mars pour renouveler. Bon, après, je serai en vacances. C'est un peu égal. On verra bien. Et voilà. Et maintenant, on va ranger tous mes achats parce que, regardez, hier, j'ai voulu manger sur ma table qui est là. Et vous allez voir. Voilà. J'ai tout entassé là. Comment dire qu'il faut vraiment que je m'y mette à ranger. Bon, le reste, j'avais pas mal rangé. Le scrap. Tout ça. La semaine dernière, vous voyez, dans les fameux achats compulsifs qui ne servent à rien, mais que j'adore, à Noz, j'ai trouvé ces fleurs. Ce sont des roses blanches. J'ai pris deux bouquets, 4,50 €. Ils étaient magnifiques. J'ai dit, quand tu as un beau vase qui se passe à Action, moi, ça, on les passe partout, elles font très classe. Puis le jour où elles sont à pied de poussière, poubelle. Pour 4,50 €, j'aurais pas trop d'état d'âme comme ça. Voilà, c'était, je crois, oui, voilà, des achats que j'ai effectués. Voilà, je vous ai présenté tous mes achats. Je voudrais vraiment créer, c'est ainsi. Je suis en manque de création. J'ai jamais le temps. Ça m'énerve parce que j'ai pas le temps. Quand j'ai un peu de temps pour moi, ben, je dors. Je dors beaucoup parce que là, ces temps-ci, j'ai été très, très fatiguée. La sclérose m'a vraiment touchée physiquement et un peu moralement. Heureusement que je suis soutenue par ma psy, par mes amis, à qui je tiens beaucoup. Et voilà. Heureusement que je les ai. Et heureusement aussi que je vous ai. Faire ces vidéos me font du bien moralement. Voilà. Valérie m'a envoyé un mail comme quoi il y avait une croque pas loin de chez moi. Un dimanche, c'est pas un week-end, mais un dimanche. Devinez quoi, je travaille. Ravie. Ouais, trop contente. Je serai en congé 15 jours après. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors je vais essayer, je dis bien essayer de négocier. Un dimanche complet, c'est-à-dire que ma mère m'avait proposé de me remplacer une fois de temps à autre. Je vais essayer de négocier pour qu'elle me remplace un dimanche exceptionnellement. Si je lui dis que c'est pour aller faire du scrap, je vais me faire démonter la tête. Je le sais, je sais que j'aurai un nom définitif, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est mon métier, c'est ma vie. Je suis bien contente d'avoir un métier et de pouvoir. Ça m'a acheté mon indépendance, on va dire aussi. Voilà. C'est jamais facile, mais c'est comme ça. Voilà. Mais tout d'abord, et aussi, j'ai oublié de dire, à chaque fois, j'oublie. Faire un petit coucou à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Ravie de vous retrouver dans mon monde. Et j'espère bientôt vous montrer mes créas. Ça me manque. Ça me manque vraiment. Mais j'ai l'impression de passer ma vie à faire des cartons et ranger. Carton, rangé, rangé, carton. Voilà tout ce qui occupe ma semaine quand j'ai pas mon fils. Je vous fais à tous et à tous de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.